Franck avait mis les petits plats dans les grands et avait veillé à rendre sa maison accueillante pour ses deux prétendantes Anne-Lise et Cécile. Aidé en cela par son indéboulonnable maman. Même si ça peut faire un petit peu de fifille à sa maman, ce qui n'est pas le cas en réalité, on a des rapports privilégiés et j'y tiens énormément. Donc les prétendantes ne vont pas détrôner ma mère, moi c'est la mama. Comme dit Kanji, tu seras toujours ma reine, donc c'est vrai, c'est important, je partage ce moment avec ma reine. Avouait-il à quelques minutes de recevoir les deux femmes. Sitôt les présentations brutales avec Oregon faites, le sylviculteur de Nouvelle-Aquitaine a présenté sans attendre et très naturellement sa maman. Si cette dernière a tenu à rassurer les prétendantes révélant être venue pour donner un coup de main. Les internautes ont trouvé que Franck allait vite en besogne en mettant tout de suite ses prétendantes face à leur potentielle belle-mère. D'entrée, elle rencontre la belle-mère, et on commence avec la belle-mère mais dit donc Tanguy, tu vas te calmer. Elle a fait le ménage, la cuisine, elle t'a préparé ton peignoir et tes gants de toilette. Elle peut très bien t'en retourner une aussi. Un peu de respect, tu débarques pour vivre des moments un peu intimes. Tu te coltines la belle-mère d'emblée, au secours, franchement c'est pas con d'évaluer la belle-mère en même temps que le mec vu les mauvaises surprises qu'il peut y avoir. On commence avec la belle-mère. Franck t'es le king, commencez son séjour par la belle-mère. Si elles supportent ça, elles peuvent tout supporter. Se sont amusés sur Twitter de très nombreux internautes qui ne savaient pas encore, pas plus que les prétendantes, que chaque soir mère et fils s'appelaient. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente. Comme ça vous savez, leur a-t-elle dit d'un ton malicieux. J'aurai un rapport tous les soirs. Si les prétendantes n'ont pas bougé d'un cil. Les internautes, eux, étaient ravis de ne pas être à leur place.